Je suis agriculteur, paysan. Je m'appelle Emmanuel Lavignotte, je suis paysan à Orthez, au quartier Castetarbe. Donc moi je dis paysan et non pas agriculteur parce que j'ai une âme de paysan. Donc j'ai aujourd'hui 52 ans, je suis né à Orthez. J'ai toujours été agriculteur parce que c'était ma passion, c'est toujours ma passion l'agriculture. Et je suis sorti de l'école à l'âge de 16 ans avec un BEPA. À l'époque ça suffisait pour s'installer. Et donc depuis 16 ans je suis sur l'exploitation agricole que j'ai repris à mon père et que j'ai développé et que je continue toujours à exploiter. J'ai une exploitation d'à peu près 150 hectares, 80 hectares de culture, maïs, essentiellement maïs, et le reste en prairie. Et après j'ai un élevage de 50 vaches blondes d'Aquitaine et des taurillons en engraissement. Je me lève vers 5 heures. Je vais faire le soin aux animaux, voilà, faire le tour de l'élevage comme tout éleveur, regarder tout si tout va bien, ce qui s'est passé la nuit, si tout est en ordre, les abreuvoirs, commencer à bien à soigner tout ça. Il n'y a pas de journée type dans l'agriculture quand on est agriculteur parce que par définition, il n'y a pas de journée qu'on peut programmer réellement le travail, c'est plein d'imprévus et puis ça varie en fonction des saisons. Mais ce qui fait je dirais, l'attrait du métier, c'est justement d'avoir une diversité dans le travail et jamais une répétition. Voilà, tous les jours amène son lot d'imprévus, de variations dans le travail en fonction des saisons, en fonction de beaucoup de choses, c'est jamais le même travail. Ce qui m'attire dans le métier agriculteur, c'est que c'est très très diversifié, puisqu'il faut être un peu tout, il faut être agronome avant tout pour savoir voir un sol, cultiver un sol, voir vivre un sol. Il faut être éleveur, bien sûr, puisque quand on est éleveur, faut être animalier, savoir observer les animaux, savoir les manipuler, les approcher. Il faut être des chauffeurs aussi, puisqu'on conduit du matériel, du gros matériel aujourd'hui. On va sur la route avec du matériel, des remorques, des moissonneuses-batteuses. Il faut inévitablement avoir une petite passion pour la mécanique aussi, pour pouvoir se débrouiller, pour l'électricité, pour. En fait, voilà, c'est très très varié, il faut toucher un peu à tout. Et c'est ce qui fait l'attrait du métier. Et par rapport à. Je dirais un travail salarié, en entreprise ou comme ça, c'est jamais le même travail. Ça varie tous les jours. Pour moi, c'est plus une passion qu'un métier, même si je le fais, c'est pour en vivre quand même. Il faut que ce soit comme ça, il faudrait que ce soit comme ça dans tous les métiers d'ailleurs, qu'il y ait une passion avant un métier. Mais le problème est que dans la vie, je dirais hors agriculture, souvent le travail, il a plus d'attrait parce que ce n'est plus un travail complet, quoi. C'est du travail en usine où on ne fait jamais tout jusqu'au bout. Voilà. Tandis qu'agriculteur, bon, on mène notre production du début de la mise en terre jusqu'à la récolte. Et c'est un métier tout à fait différent. On a un lien affectif avec le troupeau, un troupeau bovin. On aime nos troupeaux. Et j'essaye d'élever mes animaux comme ils doivent être élevés. Si, j'essaye qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles. Mais je n'ai pas non plus le rapport aux animaux qu'on les. Je dirais les gens d'aujourd'hui, et ces gens-là qui nous donnent des grandes leçons sur la façon d'élever les animaux, ils ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes, bien souvent, leurs animaux de compagnie, en voulant les aimer, les adorer, ils ne les élèvent pas dans des conditions normales de vie de ces animaux-là. La période de l'élevage, c'est un moment que tout éleveur attend avec impatience quand même, puisque c'est l'élevage, c'est à peu près comme la vendange pour un vigneron, c'est le fruit de l'année. Malgré ça, c'est quand même une période toujours où, bon, je dirais pas stressante, parce que quand après quelques années ou beaucoup d'années d'habitude, on s'habitue, mais c'est une période où il faut une surveillance accrue des vaches. Le but étant de les laisser veiller seuls le plus possible, mais de pouvoir être là pour les assister s'il y a
S'ils ont un problème, si le village ne se déroule pas normalement, s'il ne peut pas se dérouler seul, l'idéal c'est quand même d'être là. C'est pour ça que je dis toujours que les éleveurs, on retient toujours que les éleveurs, ben voilà, on parle de la mort des animaux, donnent la mort aux animaux, la ferme, mais moi je dis toujours aussi qu'avant ils donnent la vie, puisqu'on surveillait ça, on regardait les naissances, c'est toujours une joie de voir un nouveau-né, de s'en occuper, de lui faire les soins qu'il y a à y faire, des infections du cordon, assister à la première tétée s'il faut. C'est toujours un échec, ou ressenti comme un échec quand il y a un veau mort, que ce soit au village ou 8 jours après. Voilà, c'est toujours quelque chose de, c'est toujours un petit échec parce qu'on a loupé quelque chose. Et puis il y a le côté économique aussi qui fait que mais c'est une perte sèche aussi, puisqu'une vache ne vale qu'une fois par an. Donc une vache, si elle n'a pas le veau, ben, nous rapporte rien de l'année. Je vis avec ma mère, puisque ma mère, enfin, c'est ma mère qui, je dirais aujourd'hui, qui vit avec moi. Dans certains pays encore du monde, ça se fait toujours beaucoup. On ne met pas les personnes âgées à part. On fait vivre les enfants, les petits-enfants, les personnes âgées ensemble. Et à la campagne, ça, c'est beaucoup resté. Et ma mère, tant qu'elle a pu, s'est rendue utile pour l'exploitation, ce qui, pour une personne âgée, je trouve, c'est un peu triste du jour au lendemain de dire. Voilà, il n'y a plus d'utilité, on va en maison de retraite ou on est à la retraite tout seul, on ne fait plus rien. Non, à la campagne, à la monde agricole, c'est pas comme ça. Les retraités, ils ont toujours continué d'amener leur savoir-faire, leur petit coup de main. Et bien sûr, plus le temps passe, plus l'âge est là, plus le coup de main diminue, mais toujours un regard à essayer de faire ce qui peut être fait et amener. Voilà. Dans mon quartier ici, beaucoup et ça fait toujours quelque chose, beaucoup d'exploitations, ils arrêtent parce qu'ils s'en vont à la retraite. Aujourd'hui, je suis une des seules exploitations qui reste. Et ça peut être un peu lourd à porter par moment, parce que même si je vois quand même malgré tout beaucoup de monde, c'est toujours un peu compliqué. Et après, j'ai longtemps travaillé avec mon père, très très longtemps, puisque moi je travaillais avec lui tous les jours de. Ben depuis tout jeune, hein, j'étais avec lui et on était ensemble tous les jours, on travaillait, on avait la même vision des choses et je pense qu'on ne s'est jamais vraiment engueulé, même je pense jamais. Et voilà, et après voir la vieillesse arriver quand mon père a disparu, bon, c'est vrai que ça fait un vide. Bon, après, c'est dans la logique des choses. Depuis, il y a eu au quartier 2 autres décès qui étaient beaucoup moins dans l'ordre des choses, de collègues à moi, beaucoup plus jeunes, qui sont décédés subitement. Et donc voilà, mener une exploitation agricole, c'est pas toujours simple avec des problèmes économiques ou derrière. Voilà. Ceci, je regrette pas. Si c'était à refaire, je me réinstallerais, je repartirais agriculteur. Je suis agriculteur, paysan.